Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous faire découvrir Neural Love. C'est un site sur lequel vous allez pouvoir créer vos images et trouver des milliers d'images qui ont été conçues avec l'intelligence artificielle. Là, il est en anglais, on le mettra en français après. Vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de photos. Je crois qu'ils en ont actuellement plus de 43 millions. Donc, vous voyez, je vous disais des milliers, c'est des millions même, voilà. Vous pouvez les choisir en fonction de catégories, comme la fantasy. Dans chaque catégorie, vous en avez des dizaines et des dizaines, hein, voilà. Ensuite, on va pouvoir revenir en arrière et puis choisir, par exemple, anime. Là, c'est aussi, ce sont des belles images, hein. Mais ce n'est pas tout. Vous allez pouvoir donc avoir d'autres types d'images, des photos même. Des photos. Vous voyez que c'est sympa. Mais ce n'est pas tout. Vous allez pouvoir. Alors on va le mettre en français pour que ce soit plus facile. Améliorer une vidéo ou une image. Par exemple, si je cherche une image. Alors, par exemple, hier, j'ai fait une image que j'ai prise à partir d'une photo. Et voilà ce que ça a donné, aperçu du portrait. Vous avez aussi la possibilité de générer une image avec l'intelligence artificielle. Donc, vous voulez soit un carré de résultat avec quatre images ou vous pouvez changer, mais... Moi, j'aime bien 4 images parce que du coup, on a la possibilité de choisir entre 4. Et là, vous avez bien sûr plus de réglages que vous pouvez définir. Alors, on va essayer de trouver, par exemple, on va essayer de le mettre en anglais parce que c'est toujours mieux. Et on va choisir de mettre ce texte « Petits enfants qui vont à l'école ». Et donc, ça va générer OK. Et on n'a plus qu'à attendre que ça se fasse. Donc, voici l'image que ça va donner. Il est en train de le charger. Voilà donc les images que l'on va regarder. Donc, il y en a une. En voilà deux. En voilà trois. En voilà quatre. Bon, on aurait pu... j'ai mis... Children, normalement, il aurait dû mettre plusieurs enfants. Là, il n'en a mis qu'une. Il n'a mis qu'un enfant, mais bon. Et du coup, après, téléchargez l'image qui vous plaît le plus. Donc, par exemple, on va prendre celle-ci. On va la télécharger. Ensuite, on va prendre celle-ci. On va la télécharger. On peut prendre celle-ci que l'on peut télécharger. On peut télécharger les quatre ou n'en prendre qu'une. Hein, voilà. Et après, on va aller voir dans les téléchargements et on a nos images que l'on a téléchargées. Voilà. Alors, mais c'est pas tout. Ce n'est pas tout. Donc, on ferme ça. Donc, je vous ai montré générer une image, en télécharger une qui nous plaît. Hein. Par exemple, cette image me plaît. Je clique dessus. J'ai l'image et j'en ai même plusieurs qui ressemblent. Je vois que la pixelisation ne plaît pas trop, mais en dessous, j'ai d'autres propositions que je peux regarder. Ça, c'est pas mal. Allez, je regarde ça. Je trouve que c'est une belle image, donc je peux la télécharger comme j'ai fait avec les autres. Voilà. À chaque fois que vous faites une recherche, vous avez d'autres propositions et c'est, je trouve, extrêmement pratique. Alors maintenant, vous pouvez créer un avatar avec une photo. Voilà. Vous pouvez uploader une image, on dépose les images et on peut faire un fichier où il y a beaucoup d'images. On peut faire des variations d'images, plusieurs versions d'une même image, voilà, c'est possible. On peut faire une vidéo, améliorer la vidéo, on peut améliorer les audios aussi, exactement de la même façon. On peut restaurer un portrait et puis là vous avez les dossiers dans lesquels vous avez toutes vos photos que vous avez pu télécharger ou créer.
cette banque d'images, parce que c'est non seulement vous pouvez créer vos images, mais c'est déjà une banque d'images extraordinaire. Et en mettant quelque chose dans la recherche, par exemple, il cherche, il va nous donner tous les châteaux, donc des châteaux de toutes sortes. Donc après, on n'a plus qu'à choisir celui qui nous convient le mieux. Je ne sais pas si on peut marquer cartoon ici pour trouver des images cartoon. Mais si on trouve aussi des images cartoon, c'est. Et toutes ces images que vous avez dans la banque, vous pouvez les télécharger, quoi. Si j'ai envie d'avoir ce singe, je regarde et je peux le télécharger. Il y en a d'autres en dessous. Si je trouve que c'est sympa, ça correspond à ce que je cherche, par exemple pour faire des albums de coloriage pour les enfants, eh bien vous prenez plusieurs images, vous faites un album de coloriage et vous le vendez. Je trouve que c'est très intéressant. Avec Neural Love, vous avez tellement de possibilités que je pense que vous n'aurez pas fait le tour au bout d'un an de tout ce que vous pouvez faire avec ce logiciel en ligne de création d'images et photos avec l'intelligence artificielle. Alors, je vous mets un lien juste en dessous pour que vous alliez voir. Vous verrez, il y a tellement de choses à découvrir que vous passerez certainement pas mal de temps dessus. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À très vite.